C'est électrique, hein, l'engin. Il enlève des corps. J'ai la casquette qui va avec. Je vais dire quelque chose. Donc voilà, vous voyez, j'ai la casquette qui va avec. Donc on a discuté avec un monsieur, là il va en pause, il est midi, et peut-être qu'on ira le revoir tout à l'heure. Il y a la suite après. Les rondins, il les coupe en planches. En fait, allez voir un film qui s'appelle Les Grandes Gueules, avec Lino Ventura et Bourvil. Et ben c'était ça, et il y a 50 ans en arrière. Voilà. Et là maintenant c'est beaucoup plus mécanisé. Et on sent l'odeur, c'est des cèdres du pain. Voilà. Ça toi. Oh là là. Oh. Monsieur nous a dit qu'ils embauchaient mais qu'ils ne trouvaient pas de personnel, que les jeunes, c'est un boulot un peu dur, mais que c'était dans la nature et qu'il dit c'est dur, que les jeunes, puis c'est loin, il dit je suis obligé de faire 50 km pour venir bosser, 50 km pour repartir, au prix de l'essence et tout, voilà, qu'est-ce que c'est là maintenant, la France, ça devient de plus en plus difficile. Et pourtant, il y a par exemple, je le dis, j'ai pas peur, moi, Monsieur Pinault Bois, un des plus grands milliardaires de France, on fait des fortunes là-dessus, mais il y a des domaines qui disent quand tu coupes un arbre, ils disent celui-là tu le coupes, celui-là tu le coupes pas, il y a des tout ça c'est géré en fait, hein. Ils coupent pas des arbres comme ça en fait, hein. Les arbres ils sont coupés par rapport à, c'est l'éco quoi, c'est écologique, ils coupent ça pas, enfin voilà, bon on va peut-être, on reviendra pour la suite.
Ah bah après, oui, c'est ça, on va voir, que c'est ça que... C'est ça qui nous intéresse. Ah bah... C'est pas le plus dur. Ah bah ça a bien changé. Hein. C'est ça. On est à l'ère de l'électronique aujourd'hui. J'ai débuté, il fallait pousser le chariot, monter les billes et pousser le chariot. Ah ouais. Et régler le bois, et avoir un gars derrière pour tenir. C'était pas le même bouillon, mais il n'y a pas si longtemps. Pourtant. Avec ça, c'est plus peur. Là, je suis encore en monocoupe. Ça, c'est quel pays ça, Brenta, cette machine? Ah, c'est moitié français, moitié allemand. C'est, ah, ouais. Ça vient de Saône-et-Loire. Ah ouais. À Chauffaille. Ouais, il a 2 ans, le chariot. Ouais, c'est le top du top. Hein, ah, là, c'est bon. Ah, ouais, ça coûte cher une machine comme ça, là, tout à l'heure? À votre avis? Je dirais 400 000 euros. Mais tes Z3, à peu près 3 de plus. Et... 700 000 euros. Ouais, c'est vraiment cher. Ouais. Mais bon, je passe 250 tonnes par semaine. Ouais. Vous voyez ce que ça donne ? C'est du 12 000 mètres cubes par an. Internet. On dirait un peu une moissonneuse batteuse, hein. Ça me fait penser à ça, je sais pas pourquoi. Tu sais, les grosses moissonneuses batteuses, là, tu sais. Ah bah là, le chariot, avec lui-même, le chariot fait déjà 15 tonnes. On est de toi, là, ta cabine, là, ça fait comme ah cabine, oui, ah oui, une cabine de moissonneuse batteuse. Hein. Ouais, ils sont obligés parce qu'il est blindé. Parce que si on met un slabeur, c'est-à-dire quelque, une machine comme une raboteuse, on va dire, qui vient sur le bord et qui mange la première coupe du bois, quand même. Et alors, ça tourne vite et ça enlève, ça envoie pas mal de morceaux. Donc. Oui, mais avant, j'étais bien moins installé que ça. Une bille de ça, coûte, ça pèse combien à peu près, ça? La scie? Non, ça, une bille de bois comme ça, ça pèse combien? Là, ouais, vous êtes à une tonne 5, 2 tonnes, ah, oui. Ben, ça fait entre 800 et 900 kg le mètre cube. Celle-là, je pourrais la cuber si je voulais. Mais... Parce que je peux la cuber, je peux savoir le poisonnement de la sciure, toutes les planches que j'ai faites, les erreurs, pas erreurs. Il y a 3 ordinateurs dans là, donc on peut tout savoir. T'as fait un stage pour faire tout ça pour toi ? Non, moi j'étais cuisinier. Ah oui. Non, il a fallu que je. Ben, je travaillais sur d'autres scies, hein. J'ai commencé dans les années. Ben, comme je vous disais ce matin, on commençait par la pointe, hein, on commence par enculer le plus bas. Et puis avec l'âge, quand on a, comme je vous dis, moi si je calcule ce que j'ai traîné, ça fait 38 ans que je travaille. Ah, rien qu'en ciré, j'ai tourné 40 000 tonnes de bois. Ah, hein. Oui. Alors au bout d'un moment, on arrive à 45 ans, 50 ans, un peu plus. J'arrête à 47 ans de lever du bois.
J'ai 40 ans de Syrie, moi, monsieur. 40 ans, oui. J'ai connu les Vosges. Et le v'là dans la Haute-Loire, maintenant. Croyez-moi. Et avec cette marque-là, vous pouvez y aller. Ça, c'est de la tronçonneuse. Un Volvo. C'est du suédois, monsieur. Voilà. Il va me prendre en photo. Ça taille, ça met les planches à la taille, en fait.